Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Victoria 2. Plus que 15 ans à jouer, plus le temps passe, plus évidemment ça devient compliqué de réaliser cet objectif. J'en suis encore assez loin, ma foi. Mais bon, je vais quand même essayer, même si là j'y crois plus trop en fait, quand on fait les calculs, c'est quand même très compliqué. Il me faut des avions pour toutes ces... Pour toute cette armée, en fait, ces armées. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça? Ouais. 8, pardon. 8, ouais. J'avais un petit peu oublié toute cette partie-là. Je vais les faire en Afrique, ça m'évitera d'avoir les transporter en bateau. Et c'est parti. Je demandais... Ouais, là, il y en a un drabe. Bon, eux, ils arrivent ici. On va embarquer. Je crois que toutes mes armées sont à peu près complétées, à peu de choses près. On peut-être pas à 100%, mais... C'est quand même pas trop mal. Là, je vais pouvoir en faire une. Ah non, j'ai pas assez d'artillerie. C'est quand même dommage. J'ai pas de... Merde, j'ai pas d'ingénieur non plus. Ah, fais chier. Bon, je vais prendre les avions déjà. Alors, le jeu rame un petit peu, j'avoue. C'est un petit peu pénible. Alors là, je vais toujours continuer à favoriser le chauvinisme, même si ça servit un petit peu à rien. Donc là, c'est bon. Là, par contre, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Celle-là, c'est pas bon. Je crois qu'en fait, toutes celles où c'est pas bon, elles sont là. Ça doit être ces trois-là, les dernières, puisque je crois que celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est pas bon non plus. Ça, voilà. Il y en a quand même qui ont souffert de la dernière guerre. Ok, donc là j'ai dit que c'était bon, finalement, je me rappelle plus. Non. Non, il me manquait bien un avion ici. Ça, c'est bon. Un avion. Il m'en faudrait un autre pour aller là. Et je crois que ce sera bon cette fois. Je vais rembourser mes dettes. Alors je crois que je fais une... Enfin, je crois. Je fais une revendication sur l'Égypte. Ça va être relativement rapide. Il faut juste que je ramène quelques troupes. Alors, laissez faire. Je vais ramener. Bon, je pense que 4 armées suffiront. 2 ici. Et 2 ici. Ça fera bien l'affaire. Ils ont l'Angleterre en allié. Donc il faut s'attendre à un débarquement chez moi, évidemment. Comme d'habitude. Oui, on participe aux Jeux Olympiques. Ça, je peux fusionner. Ça, je peux fusionner. Je crois que là, j'ai des avions partout. Alors, par contre, j'ai dit qu'il me fallait surtout de l'artillerie, je crois. Deux d'artillerie et un ingénieur. Ouais, je crois que je vais faire. Alors, deux d'artillerie. Je vais les faire en Europe. Ça va me simplifier la vie. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, c'est con. En Europe. Ensuite, je vais faire une autre armée. Donc, il me faut 4 d'artillerie que je vais être obligé de faire en Afrique parce que là, j'ai vraiment plus rien. Putain. C'est la dèche. Un cavalier, je sais plus si j'en ai besoin. Je crois que oui. Ok.
Je suis à 507. Honnêtement, je m'arrêtais dans ces eaux-là, entre 520 peut-être à peu près. Je peux pas non plus me mettre trop dans le rouge. Ça devient dur de faire des bénéfices alors que je suis quand même à 67 de taxes. Donc c'est peut-être que j'ai un peu trop d'armée. Alors là, je vais diviser pour avoir un petit peu moins d'attrition quand même. Ok, c'est parfait. Bon, j'ai accéléré le temps. Maintenant, j'ai plus rien à faire. Dix jours à attendre. Ce sera l'avant-dernière guerre contre l'Égypte. Tout simplement parce qu'il leur reste deux régions. Peut-être même trois, j'espère que non. Non, il reste le Dongola et la Basse-Égypte. Protectionnisme. J'ai augmenté ça un petit peu. Ça me coûte super cher. Ah, peut-être pas autant à l'avance, hein, finalement. Vu combien ça me coûte, je ferai ça au dernier moment. Tension en Transvaal, honnêtement, je m'en fous complètement. 30 jours encore. Alors, qui a gagné cette fois? Encore les opportunistes. Combien de jours encore? 33 jours. Donc moi, je veux la droite nationaliste. C'est le seul qui ait du chauvinisme. Alors, quelle tristesse. D'accord. Ah, une crise. En Albanie, je vais sûrement pas participer. L'Albanie, non, ça m'intéresse pas. Non, non. Comment ça se fait que je sois autant en déficit là? Quelque chose qui a dû changer. Ah, c'est les taxes. Quand je suis passé opportuniste, il a mis mes taxes à 50. Donc là, je vais les remettre à 60, 72 par exemple. Et je vais me mettre ça à l'équilibre à peu près 82. La guerre, c'est pour aujourd'hui. Ou demain, quoi. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce qu'on participe à une crise, putain. Ah merde. Ah, ça va me faire perdre un an cette connerie. Je serais bien tenté de les soutenir là. Je pense que si je les soutiens, l'Angleterre va pas faire la guerre toute seule. Ouais, question bureaucrate, y a rien à changer. Ouais, là, c'est des. Alors, sciences militaires. Non, sciences militaires. Oui, c'est ça, armement lourd. Qu'est-ce que je fais là? C'est des avions que je fais ou pas? Ah non, c'est des canons. Cavaliers. Non, je fais pas d'avion. Mes avions, ils sont là. Donc je vais les répartir. Ah, ça va être un peu chiant, hein. C'est une gestion de l'armée dans ce jeu, c'est quand même super pénible. Ici.
Ok, donc il n'y aura pas de crise. Je me doutais bien que l'Angleterre allait pas se retrouver toute seule. Donc l'Albanie. Non, j'ai pas trop lu en fait ce que c'était. Ce que je voulais juste, c'était éviter la guerre. En me rangeant du côté du plus fort. Ouais, j'ai presque fini. Donc je pense qu'on va pouvoir bientôt déclarer la guerre. Voilà. Prendre un état, le Dongola. Et la dernière guerre, ce sera pour définitivement prendre l'Égypte. J'étais obligé d'augmenter ça. Putain, je crois que je suis obligé de me mettre au maximum. Hein. Ça va me faire faire ma réserve d'argent, c'est pas plus mal. C'est parti. J'attends pas mes avions. Donc l'Angleterre, évidemment, s'est rangée du côté de l'Égypte. Honnêtement, ça devrait pas poser de problème. Tiens, il restait une armée anglaise, je sais pas ce qu'elle foutait là. Alors, je vais ramener les avions au fur et à mesure. Ici. Même si dans cette guerre, évidemment, les avions vont pas être capitales. Hop. Ici, c'est bon. Ça va être super rapide. Ah, déjà, l'Angleterre, c'est bon. Ah. Alors, on va voir ce qu'ils ont ramené. Je pense que voilà, ça commence le débarquement. Donc là, je vais venir avec trois armées. Ici, je vais intervenir en haut avec trois armées aussi. Là, ils n'ont pas eu le temps de fuir. Oh, par contre, ils commencent à être nombreux là-bas. Je vais en ramener une de plus. Et je vais très vite voir si la paix peut pas être signée. Attendre quelques victoires quand même. Mais franchement, on va pas traîner. Il manque un avion là. Ouais. Ici. Je vais ramener mes navires. Voilà, donc peut-être qu'une ou deux victoires suffiront. Je pense que le score de guerre à obtenir, elle doit être très léger. Ah non, c'est 61, putain. Ah ouais. Ça, c'est pénible parce que c'est des provinces ridicules en taille. Et ça va être quasiment impossible à obtenir. Merde, ça j'arrive. Ah bah en plus des communistes. Bon, c'est pas trop grave. Je vais mettre mes armées en automatique. Ici pareil. Non, lui c'est que j'ai plus de décision à prendre pour faire baisser tout ça. Accepter. Accepter. Ils sont nombreux en plus là, mine de rien. Il faut que j'en mette en automatique aussi en Afrique, évidemment, sinon ça va pas le faire. Je vais mettre ces deux-là. Je crois qu'il y en avait peut-être une déjà en automatique, non. Alors, il va falloir que je fasse des débarquements. Ah, fermé. Ah, lui il est en automatique, je vais pas le mettre en automatique, lui il va faire des débarquements. En commençant par ici.
Alors les Anglais, faut pas non plus que je les oublie. Non, ça passe pour l'instant. Il faudrait que je ramène des troupes d'Italie. Là, j'en mets deux en automatique. Et ces quatre-là, ils vont aller ici. Ah, c'est quoi cette guerre-là? L'Espagne, j'accepte. Parme, j'accepte. À mon avis, l'Autriche a un problème à lancer les Russes contre l'Allemagne. Ok. Je vais reculer un peu pour éviter l'attrition. Alors là, je pense que je peux faire une nouvelle armée largement. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Normalement, j'ai de quoi faire deux armées si j'ai tout bien calculé. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va me diminuer le nombre de troupes sur cette province, parce que là, j'étais un peu trop élevé. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. D'accord. Ah, c'est la sauvegarde, ça, j'ai eu peur. Alors ici, vite fait. Faut que je me grouille parce que j'ai plein de petites îles. Donc j'ai du boulot. Et en Afrique, j'espère qu'ils sont bel et bien partis. Elles sont où mes armées là? Ah, elles sont là. Ce que je veux que je surveille surtout, c'est l'Europe. Faut pas que j'oublie que les Anglais sont là. Et qu'ils ont énormément de troupes. Ah putain, tous ces messages là, ça brouille le. Ouais, là, il y a du boulot. Ah, ça m'énerve tous ces messages pour les rebelles là. Ça m'empêche de voir ce qui se passe vraiment. Donc là, les Anglais, c'est parti. En tout cas, l'Égypte, ils sont occupés à 100%. Ça, c'est bon. Faut que j'aille là. Je gagne que 0 point de victoire, de point de victoire. Score de guerre pour l'instant 41. L'avantage c'est que j'ai la province que je visais, donc déjà ça va me rapporter au fur et à mesure. Il faut que je fasse gaffe qu'ils soient pas en train de m'attaquer chez moi. A priori ils le font plus, ça. Tiens, je vais le faire moi par contre. Ils ne font plus les Anglais occuper l'Afrique. Je sais pas pourquoi. Là, il bouge lui, ouais. Ah, donc là il a débarqué, c'est parfait. Merde, là faut que j'aille me battre. La guerre continue entre l'Allemagne et la Russie. Et merde, là j'ai oublié. Donc là, j'embarque. Je continue à faire le tour des petites îles. J'espère que j'en ai pas genre en Asie ou dans les Caraïbes.
Faut absolument que j'aille voir ça. Pourquoi il bouge pas lui? Alors que il a du boulot. C'est pareil, lui il bouge pas non plus. Alors qu'il a énormément de rebelles à gérer. Ah, ils acceptent. Ouais, j'ai tout de suite signé. Ce qui complète bien l'Afrique, mais ce qui complète absolument pas la Méditerranée, malheureusement. Ça, c'est quand même pénible que je puisse pas conquérir l'Égypte juste à cause de la capitale, quoi. On peut jamais prendre la capitale, c'est toujours le dernier truc qu'on doit prendre. Alors, je me divise pour éviter l'attrition. Ah, j'ai vraiment beaucoup de troupes. Alors, les suivants. L'Autriche, c'est fini, hein. Plus besoin de s'occuper d'eux. Par contre, les Ottomans, évidemment, c'est pas fini. On est en trêve encore pendant plus d'un an. Putain, c'est long. L'Espagne, on est en trêve exactement pendant la même période. Et la Grèce. La Grèce, c'est bientôt fini. Donc, je vais pouvoir faire la guerre à la Grèce. Je vais juste laisser passer un peu de temps. Tiens. La guerre est finie entre l'Allemagne et le. Déjà. Alors, je vais améliorer mes relations un peu avec tout le monde. Tout le monde est dans ma sphère en Amérique du Sud, je pense. Ouais. Ça a été très long, mais j'ai bel et bien réussi. Et voilà, il y a des communistes, 144 000 communistes à Pondichéry. Ah ouais. C'est n'importe quoi. 144 000, ah, je pourrais jamais déloger ça. J'ai même pas trop envie d'essayer. Je vais gentiment les laisser là où ils sont. Alors moi, je vais préparer mon débarquement en Grèce. Et après, ce sera peut-être l'Espagne. J'ai deux colonies à leur prendre. À creuser plus. Alors par contre, je fais beaucoup trop d'argent, c'est parce que j'ai oublié de baisser ma maintenance. Juste le temps de m'occuper de ces quelques révoltes. D'accord. Pourquoi il va pas s'occuper de celui-là? Parce que lui, il est pas en automatique, pardon. D'accord, je vois que cette armée, il y a une erreur. Il y a un garde à la place d'un d'infanterie. C'est pas très important, mais je vais quand même corriger ça. Je vais la ramener. Vite fait, et je vais la refaire. Et je fais plus d'autres armées, hein, là c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5. Non seulement j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai vraiment plus assez d'argent en fait. Alors ce que je vais faire, eux ils vont remonter. Eux ils vont retourner évidemment. Eux aussi. Ensuite, il me faut...
Tiens, là, je vois qu'il me manque un transporteur. Normalement, je devrais avoir 14 transporteurs dans chaque flotte. Pourquoi là, j'en ai que un, que 13? Mes flottes. Ouais, il y a un problème là. Je vais tout de suite corriger ça. Peu importe, Beyrouth. Bon, je vais arrêter l'épisode ici. Il faut que je ramène d'urgence, enfin d'urgence, rapidement des troupes en Grèce. Malheureusement, ils sont toujours alliés avec l'Angleterre. Donc ça veut dire une guerre de plus avec l'Angleterre, mais ça, maintenant, on a l'habitude. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc pour la suite de ce Let's Play.